Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, sur Homes Y 2 cette fois-ci. Nous sommes toujours sur la map Wissembourg 2015, je vais vous proposer la ligne 102, direction Abanoff. Donc voilà, on part de Barbarossastraps, voilà. Excusez-moi, vous pouvez le voir de toute façon en haut à gauche de votre écran, c'est indiqué. Donc voilà, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Nous allons démarrer justement notre ligne de bus à partir de 50, il me semble. J'ai 17 minutes de retard, non. Ah si, voilà, à partir de 13h40, voilà. Donc je vous propose tout de suite d'avancer le temps. Et nous sommes aujourd'hui avec un Solaris, comme vous pouvez le constater, un Solaris de 12 mètres, donc un traditionnel. Solaris 12 mètres, FAP, donc ça s'appelle comme ça. Donc c'est, en gros, c'est un Urbino 12, FAP, donc le FAP, hybride. Donc c'est un hybride, donc normalement il fait pas beaucoup de bruit. Si vous l'entendez, c'est le moteur derrière. Mais en tout cas, c'est un hybride, d'après ce que j'ai pu constater sur la fiche technique. Donc voilà, on va le tester, etc. Sinon, l'intérieur, bon, est relativement basique. Voilà, voilà. Allez, on va... avancer le temps, donc on démarre à 40, donc on va mettre 39, voilà. Alors il monte à l'arrière. Ouh, elle a la froid. J'ai mis le... Vous avez eu ce truc, ne vous inquiétez pas pour ça, j'ai mis le chauffage normalement. Voilà, c'est vrai qu'effectivement j'aurais pu le mettre dans le chaud, voilà. Donc voilà, on a des petites caméras sympathiques dans ce petit Solaris, parce que comme vous pouvez le constater, hop là, on peut apercevoir les deux caméras des deux différentes portes derrière. C'est super intéressant et on va tout de suite y aller. On passe l'arrêt, donc je vais passer les arrêts. Voilà, parfait. Et c'est parti les amis, nous sommes partis pour cette ligne 102, toujours sur la map Wissembourg, donc voilà. Celle-là, il me semble que je l'avais fait auparavant, mais je ne m'en souviens plus du tout, c'est pour ça qu'on va garder justement le fléchage, puis on va voir ce qu'elle donne. Ça devrait être une ligne d'environ à peu près 15 minutes, entre 15 et 20 minutes, donc ça fait une vidéo relativement correcte. Donc je voulais vous souhaiter une très bonne Halloween à tous, parce que là je tourne cette vidéo à Halloween, donc joyeuse fête d'Halloween à tous ceux qui regardent la vidéo, bien évidemment. Allez, c'est parti. Donc je sais pas si parfait, les chaises. Ah si, non, c'est un automatique, d'accord. Je crois que c'est un petit manuel aussi, on peut le mettre en manuel, je ne sais pas. Ah, il passe les arrêts tout seul. Merde, tant pis. C'est pas grave. Du coup, on aura un arrêt décalé. Ah non, c'est bon. C'est parfait. Ok, il y a personne qui demande. Très bien, donc voilà, comme je vous l'ai dit, je vous souhaite une très joyeuse Halloween. Donc je ne sais pas si je poste la vidéo le jour même que je la tourne, c'est-à-dire là je la tourne le 31, le lundi. Je ne sais pas si je vous la poste directement ce soir ou si je vous la poste mardi, donc voilà. Parce que sinon, pour cette dernière semaine de vacances, je pourrais vous la poster aujourd'hui, mercredi, une autre vidéo. Je vais voir comment je vais m'organiser. Mercredi, une autre vidéo et samedi, une autre vidéo, donc voilà, ce serait vraiment le bal des vidéos. Mais en même temps, je me dis que, bon, comme c'était... alors, attendez, je sais pas si...
Comme c'était les vacances et que je vous ai promis pas mal de vidéos, donc moi ça m'irait comme programme de pouvoir vous proposer une vidéo aujourd'hui, une vidéo demain et une vidéo mercredi. Donc je vais voir comment ça fonctionne et puis voilà. Selon le planning. Donc je ne sais pas quand je vous poste, mais en tout cas joyeuse fête quand même d'Halloween. Soit c'est ce soir, si je vous la poste le jour même, soit c'est déjà passé. Alors qu'est-ce qui se passe là? On réduit un petit peu les FPS. Alors je ne sais pas, je crois que cette vidéo vous est proposée en 720-60 parce que j'ai pas fait gaffe au réglage. Donc comme je ne l'ai pas changé, ben je vous la propose en 720-60. Voilà. Parce que normalement j'aurais dû la mettre en 1080, mais bon c'est pas grave. Ah, j'ai calé. Ah voilà, bon moi j'avais calé. Très bien, allez. Non. On n'a pas d'arrêt. Ok, très bien. Bon, moi j'avais calé les choses qui arrivent. Donc voilà, voilà, c'est une toute petite ligne. Donc j'espère que vous l'appréciez. J'espère que vous appréciez tout autant cette série sur, Homsi. Merci pour les 85 abonnés. Vous êtes juste géniaux. Je sais pas si vous avez pu le constater pour... Bah, du nouveau calé. Ok. Faut que j'en... Putain, c'est pas possible. Il a un problème, ce bus. Hein. Ouh, je vais marquer dans le titre. On sait plus démarrer un bus. Ok, c'est bon. Je sais pas, il y a un problème. Il y a un problème de bus, les amis. Oh, c'est pas grave, on va peut-être que ça. Hop. Voilà, nickel. Ok, c'est parce que j'avais mis le frein. Tout simplement, j'avais appuyé sur la pédale. Et il faut pas. Ce feu est très très long. Je dis ça comme ça, mais ce feu est très très long. Donc en tout cas ce bus est super sympa. Ça fait aussi très très longtemps que j'ai pas repris un Solaris. Et puis là on est bon parce que comme dit. Ok, donc moi c'est là. Et puis comme dit bah voilà, ça fait très longtemps qu'on a pu prier un Solaris. Et c'est vrai que c'est cool en Solaris du coup. Et puis c'est un 12 mètres, donc on se réhabitue au Solaris. Je pense que peut-être pour le prochain épisode on prendra un 15 mètres puis un 18 mètres. Dépend de la ligne que je vais sélectionner. Donc voilà, merci encore à vous pour les 85 abonnés, je disais. Et surtout, je sais pas, mais peut-être pour les curieux, enfin peut-être pour les remarqueurs d'entre vous, et certaines personnes qui remarquent des choses. Ouais, c'est réellement un problème de... Ah mais non, je suis con, c'est un hybride. Mais oui, je suis trop con. C'est normal. Mais oui, je suis trop con en fait. Moi, c'est un hybride. Eh, mais je suis trop con en fait. C'est pour ça qu'il cale. Mais oui, putain. Ah, si j'aurais été en live, on me l'aurait déjà dit. Ah, c'est pas grave. Mais oui, c'est un hybride. C'est pour ça qu'il se coupe en fait. Ah, punaise. Ah ouais, ça fait bizarre. Bah, du coup, moi, je savais pas. Mais c'est un hybride, c'est normal. Bon, comme ça, on le saura. Donc, voilà, j'allais dire, pour ceux qui remarquent, j'ai changé le format de miniature. Maintenant, ça va rester comme ça. Voilà, c'est sympathique, un petit peu, une miniature un petit peu plus sobre. Donc, voilà, j'espère que le format de miniature vous plaît, des nouvelles vidéos. Hop, nous allons nous prendre une petite photo. C'est joli.
Très bien. Non, non, je vais pas faire ça. Très bien. Allez, on a pris une petite photo. C'est génial. C'est parfait. Ah non, je crois qu'on continue tout droit. Ah bah en fait ouais, c'est un hybride, donc j'ai pas tout compris. En plus je vous l'ai dit que c'était un hybride, mais effectivement maintenant... Bon, c'est pas grave. Oh là là. Bon, c'est pas bien grave. En tout cas, voilà. Là, ça me plaît. Ce bus, il me plaît bien. Je vais voir si justement on n'a pas un hybride en 15 mètres et on va prendre que des hybrides. Donc, dès qu'on ouvre une porte, je crois, bah. On est bon là? C'est parti. C'est pas si mal en fait, un hybride, je trouve ça cool. Donc voilà, avec le 12 mètres, on passe partout et puis il est pas tellement rempli encore. Oula. Ça c'était le trottoir. Il y a encore pas mal de place, donc voilà. Et du coup, j'ai parmi les fléchages. Alors, où est-ce qu'on est là? Ok, c'est bien ce qui me semblait. Je me suis planté. Putain, j'ai parmi le fléchage. Bon, alors les amis, on va faire quelque chose qui n'est pas bien, à ne pas reproduire chez vous. Je m'en doutais en plus. J'ai pas remis le fléchage après la photo. On prend un petit peu de retard. Putain, je sais pas où je suis. Oh là 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 là. C'est pas que c'est mal indiqué. Oh, meine Güte, da wird einem ja schlecht. Banoff. Ok, d'accord, c'est bon, on a retrouvé notre chemin. C'est ici. Hop, nous on passe, c'est pas grave. Nasenbeutel, Michael Schumacher, ja. C'est bon. Ok, parfait, on a retrouvé notre chemin. Bon, on a pris quelques petites minutes de retard. Bon, c'est pas très... c'est pas très grave. Voilà, comme dit, on a changé le format de miniature. Donc voilà, c'est bon. C'est pour les 85 abonnés. Merci encore à vous, énormément. Ça fait très très plaisir. Ok, donc ça en passe. Ok, Baldur Street. Très bien. Il n'y a personne non plus là? Non, il n'y a personne. Bon, bah, du coup, on rattrape le retard. Putain. Oh là là. Je me prends le trottoir. Donc voilà, c'est un petit peu campagne, un petit peu ville, comme on a pu le constater avant sur cette ligne. Et elle est plutôt pas mal. Honnêtement, on va se l'avouer. Ça plate pas mal. Ok, donc là, pas trop loin.
personne qui descend, je crois. Non. Straßburger Allee. Boah, fällt der Scheiße. Oula, on roule un petit peu vite, on va ralentir. Ça rame beaucoup parce qu'en fait j'ai fait une erreur de. De montage. Enfin d'enregistrement sur. Ouais, une erreur d'enregistrement. Et du coup. Ah non, c'est un gars assis, d'accord, ok. Donc du coup voilà, j'ai fait une erreur d'enregistrement et j'ai pris en 60 fps. C'est pour ça que du coup vous aurez peut-être un ralentissement de vidéo par moment. Désolé. Donc voilà, écoutez, on a bientôt fini, on est près du but là, je crois. Voilà, donc du coup, il y a le silence total aux arrêts et au feu. Mais c'est plutôt pas mal, finalement. Donc désolé, je vous ai encore oublié au niveau de la musique. Mais bon, c'est pas grave. Comme ça, ça vous aurait permis de mieux entendre le moteur. C'est vrai que pour la prochaine fois, il faut que je fasse gaffe. Ok, c'est bon. Allez, c'est parti. Donc là, il y a des gens qui veulent descendre. Alors attendez, on va peut-être voir, aller voir, vérifier. Ah, ils peuvent pas, d'accord. C'est pas mal ça aussi. Je désactivais le. Ah ouais, mais ça. Ah, ok. Ça aurait été bien s'il aurait été en manuel, ce bus. Peut-être qu'il y a une section manuelle, j'en sais rien. Guten Tag. Alors, par contre, il y a beaucoup, beaucoup de trafic. J'ai pas rajouté de mode ni rien. C'est le trafic de base. Ah, c'est la touche C. D'accord, ok. Je viens de découvrir quelque chose. Bon, on va le laisser éteint. Donc, du coup, qu'est-ce qui nous reste là, approximativement? Parce que, bon, je sais pas s'il faut aller tout droit. Ouais, il faut aller tout droit.
Allez. C'est parti. Voilà, donc petite vidéo des temps. Donc comme dit, je sais pas quand elle sort. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Heureusement qu'il n'y a pas de collision. D'ailleurs, les collisions, je vais les activer. C'est pas trop réaliste. Pas besoin, hein, de toute façon. Kohlerstraße. Grüntalstraße. Hauptbahnhof. Diese Fahrt endet dort. Petit bip bip, hein, c'est ça. Donc voilà, franchement, ce bus est plutôt très sympathique, je trouve. Voilà, c'est vrai qu'effectivement, il est super sympathique. Polyvalent à conduire, etc. Ah, c'est bien. Alors nous on peut tourner bien évidemment parce qu'il y a la flèche. Oh la vache. Tout ça pour une personne ? Voilà, c'est un hybride, donc en fait je fais rien, si vous voulez, je m'arrête, j'ouvre la porte, le moteur va comprendre, il va se couper, puis après dès que je redonne un petit coup d'accélérateur, boum, il redémarre et puis c'est reparti. Donc voilà, c'est pas mal. C'est surtout pas mal quand on est en avance, ou alors quand on est dans les, bah, dans les feux rouges et tout, dans les bouchons. C'est vrai que maintenant c'est une norme, enfin c'est pas vraiment une norme, mais je veux dire, c'est quelque chose que toutes les nouvelles voitures ont. Surtout quand ils sont dans les bouchons, etc. C'est très très pratique pour l'environnement. Grüntalstraße. Donc voilà, là normalement, on a fini. C'est vrai que c'est un... C'est... Bon, c'est agréable le silence, mais c'est vrai qu'effectivement, si le moteur il s'éteint pour une petite minute, c'est un petit peu con. C'est pas grave, c'est pas nous qu'on paye le carburant, donc ça va. Allez. Non, ça passe ici. Bon, c'est pas juste. Hein. 4 petits dodanes. Oh la vache. Et voilà les amis, nous sommes arrivés à Lapalmov. Oh putain. Ça m'arrange pas, hein, vous allez descendre derrière. Hop là, voilà, ici.
Et voilà les amis, itinéraire, nom de l'arrêt, très tard. Ok, donc on est arrivé très tard à la fin, mais sinon c'est plutôt bon à ce niveau. Descendez mesdames, messieurs, et oui, j'ouvre pas les portes avant, bien fait. Ah, attendez, on descend pas par l'avant. Et voilà, c'est impeccable les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a plu. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Donc il y a tous les drapeaux là, c'est marrant. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si cela vous a plu. Donc voilà, merci à tous. Allez, ciao tout le monde.